Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, nous sommes mardi et ce matin, moi j'ai travaillé. Là, je suis sortie il n'y a pas longtemps du travail, ça doit faire un quart d'heure, 20 minutes. Je viens d'arriver dans un centre commercial et pour aller chez Action, puisque j'ai des petites choses à prendre pour des petites choses d'organisation pour le futur appart. Notamment surtout pour la cuisine. J'ai aussi des petites choses qui vont m'aider pour le déménagement, etc. Donc voilà, j'espère que je trouverai ici vraiment. J'espère, j'espère. Sinon, j'irai demain. Le problème, c'est que demain, on est mercredi et que j'ai les enfants. Je sais pas, je vais voir en fait. Je vais voir. En tout cas, j'espère que vous, vous allez bien. J'espère que si vous êtes en vacances scolaires avec vos enfants, que ça se passe bien, etc. Moi, pour aujourd'hui, je vais juste aller chez Action et ensuite je vais rentrer à la maison. Ma maman aimerait bien que je lui envoie les enfants comme j'ai fait hier. Je sais pas trop si ça va être possible ou pas parce que je suis quand même assez fatiguée. Et le fait de rentrer à la maison, ressortir, aller les chercher, etc. J'ai besoin d'un peu de repos. J'ai besoin d'un peu de repos. Donc où on ira aujourd'hui ou demain, on verra bien. Mais en tout cas, vous allez voir tout ça avec moi. Vous avez ces petits plateaux là, j'ai trouvé ça super sympa. Vous voyez, ils sont à 1,62 pour disposer des bougies, des choses comme ça, c'est super mignon. Donc ça fait 39 sur 14 sur 3 cm. Voilà, il y a cette couleur et il y a celle-ci, voilà, et ça fait super mignon. Bon, après il y a ceux-là, hein, tout le monde connaît. Voilà, vous les avez en carré, en rectangle. Vous avez aussi ceci que j'ai trouvé super mignon. Vous voyez, c'est pour accrocher. En fait, vous le mettez comme ça, vous le mettez comme ça et vous accrochez vos manteaux dessus. Donc voilà les accroches. Alors, porte-manteau mural, 5 accroches, 6,49. Donc, il y est en bois et il y est en blanc. Voilà, j'ai trouvé ça super joli. Et là, vous avez une petite étagère. Voilà, donc la même chose, mais pour enfants cette fois-ci avec le petit nuage. Alors, celle-ci, elle est super jolie. Vous pouvez la mettre dans la chambre d'enfant ou même dans l'entrée, je pense, pour les enfants. Comme ça, ils savent que c'est la leur. Et c'est là qu'il faut mettre leur petit manteau. C'est trop mignon. Pour les fanas de jardinage, vous avez ça, c'est un kit en fait. Vous voyez, c'est un kit avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et pour faire pousser des petites herbes. Donc voilà, j'ai trouvé ça super sympa. C'est 3,99€. Et vous avez plusieurs modèles. Donc là, c'est du persil et de la ciboulette. Là, vous avez du basilic et de la tomate. Là, je pense que ça doit être du concombre, mini concombre et tomates cerises. Franchement, c'est super sympa. C'est vraiment, vraiment trop mignon. Voilà. Basilic, tomate. Vous avez plusieurs sortes et je trouve ça trop choupinou. Trop mignon. Trop mignon. Voilà, du coup, vous les avez en fait en plusieurs couleurs. Donc là, il y a du vert, du noir qui fait hyper classe et du blanc. Et après vous avez aussi ce modèle là qui est super mignonnet, 99 centimes le pot. Franchement, j'avais jamais vu qu'Action vendait des étendoirs, des tables à repasser. En tout cas moi j'en ai jamais vu, je pense que la plupart vont me dire qu'ils l'ont déjà vu. Et plein de paniers à linge. Il y a vraiment tout pour craquer chez Action, hein, c'est pas possible. Je suis en train de regarder ces petites choses-là et tout de suite je vais penser bien évidemment à la déco des chambres de mes enfants. J'imagine trop ça, vous savez, comme ça, posé comme ça avec différentes étagères et ça ferait trop joli accroché. Le problème, c'est comment les accrocher. Il y a du rose, du vert, oh petit ourson. Vous avez là du bleu. Voilà. Du gris, franchement vous avez trop de couleurs et c'est vraiment vraiment pas cher par rapport à certaines choses qu'on peut trouver. Après ils peuvent servir peut-être juste comme mini coffre à jouer. Voilà,
Alors, plateau Labène, donc c'est pas ça. Trouver les prix chez Action, c'est toujours compliqué. J'avais vu ce tableau il y a très longtemps dans une vidéo d'une youtubeuse, je sais même plus laquelle d'ailleurs. J'avais vu ça et je trouve ça magnifique. Franchement, il est très très beau. Même dans la chambre d'un ado, ça peut vraiment super bien le faire. Il est comme ça derrière d'ailleurs. Et voilà, dans la chambre d'un ado, franchement, ça ferait super joli et c'est très neutre. Il fait 13,95. Voilà. Sinon, il y a des petites décos comme ça, vous voyez, pour le salon, pour les accrocher, etc. Bon, moi, j'avais jamais vu. Je pense que les personnes qui viennent souvent chez Action l'auront peut-être déjà vu. Donc, ça se met comme ça, debout. Et vous avez les petites accroches là et là. Voilà. Et elles sont, bon, elles sont très, très légères. Vous avez des petits diamants là. Vous en avez un peu partout, vous voyez. Et elle est à 3,98. Bon, les pansements pour les enfants, moi je les prends toujours ici. Donc je prends ceux-là. Ils sont franchement très très efficaces. Ils collent super bien. Et vraiment, quand vous les collez à l'enfant, ça ne se décolle pas. Donc voilà, je prends toujours ceux-là. Je regardais l'autre, mais. Et ils sont à 49 centimes. Et il y a normalement 30 pièces. Donc voilà, vous en avez 30. Qui a écrit de là, donc 49 centimes. Et sinon pour nous, alors ce que je prends, c'est, je ne suis même pas sûre qu'il y ait, celles que je prends d'habitude, ils y sont pas, mais sinon ouais, je pense que je vais prendre celle-ci. Et vous avez ceux-là aussi, je les ai jamais testés, vous voyez, pour surtout là avec l'été qui va arriver, vous savez pour les ampoules, pour les mettre à ce niveau, pour les mettre au talon, etc. Quand vous avez des petites ampoules, c'est des petites choses comme ça que moi j'ai toujours dans mon sac. Et je suis rentrée à la maison. J'ai je suis passée du coup chez Action. J'ai franchement pas trouvé tout ce que je voulais. Ça m'a un peu cassé les pieds, mais bon, c'est pas grave. J'ai essayé de trouver un maximum de choses. J'ai quand même trouvé quelques petites choses, mais pas tout ce que je voulais. Voilà. D'ailleurs, je vous ferai le. Normalement, vous aurez le haul Action demain. Je vais essayer de vous le tourner, vraiment, le petit haul Action, vous l'aurez demain. D'ailleurs, pour mes enfants, finalement, ils sont partis chez papy-mamie, alors que vraiment, je suis un peu fatiguée. Je me suis dit que bah, pas aujourd'hui, peut-être demain, etc. Mais bon, j'ai parlé avec ma maman qui m'a dit, mais envoie-les, en plus ton père voulait venir les chercher, tout ça, tout ça. Donc, je leur ai envoyé un Uber qui est venu les chercher, qui est venu les récupérer avec mon frère. Et ils sont partis là-bas. Moi, j'ai pas grand-chose là à faire dans l'appartement. Franchement, c'est assez propre. C'est vraiment assez propre. La personne qui les garde passe toujours un petit coup dans la journée. Donc vraiment, c'est nickel. C'est hyper adorable de sa part. Et elle est hyper, hyper adorable. Voilà. Là, je vais juste me poser 5 petites minutes. Et ensuite, je vais aller rejoindre mes petits loulous. Demain c'est mercredi, franchement j'ai hâte, je vais pouvoir me reposer un petit peu, je vais vraiment me détendre un petit peu. J'ai décidé d'ailleurs, jusqu'à là, la fin de semaine, je ne vais pas faire grand chose, tout ce qui est rangement, carton, etc. Je vais attendre la semaine prochaine, après avoir bien réfléchi, je vais vraiment attendre semaine prochaine et je vais m'y mettre vraiment sérieusement. Je pense qu'on va pas sortir souvent. Là, le problème, c'est que c'est les vacances scolaires, les enfants sont à la maison, ne sortent pas beaucoup. Déjà, le temps dehors, c'est une cata. C'est vraiment la pluie n'arrête pas, le vent n'arrête pas. Il y a des averses toutes les 2 minutes. Vous avez un beau soleil, d'un seul coup, il y a une averse. Donc voilà, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas aller dans des parcs. Et moi, je ne peux pas beaucoup sortir avec eux ou faire des activités. Tout simplement bah, parce que là, cette semaine, je travaille et la semaine prochaine, bah, j'ai l'intention de ranger tout l'appartement parce que après on n'aura plus le temps. Vraiment, tout doit se faire la semaine prochaine. Voilà tout. Et direction les enfants. Je vais aller chercher mes petits loulous, aller voir papy et mamie. Même si je suis sûre qu'ils vont me dire, mais demain tu travailles pas, il va falloir quand même que tu viennes. Hein. Franchement, mes parents, s'ils pouvaient me faire habiter dans l'appartement d'en face, ils le feraient. D'ailleurs, pour tous ceux qui me demandent, là, vu qu'on va déménager, où est-ce qu'on sera par rapport à mes parents, eh ben, on va se rapprocher encore un peu plus. Voilà, voilà. Là, on est à peu près à 15 minutes de chez eux en voiture. Et
Et dans 2 semaines, on sera à 10 minutes. Un peu moins de 10 minutes. Voilà tout. Allez, moi, je vais récupérer tout ce petit monde. Enfin, je pense que là, j'y vais. Je suis pas prête de sortir avant 2 heures, voire 3, de chez mes parents. Entre le temps de papoter, entre le temps de jouer, etc., etc. Eh ben, je suis pas prête de faire demi-tour, moi. De l'histoire. Voilà, il est vraiment en pleine lecture. L'après-midi s'est super bien passé, enfin la fin d'après-midi s'est super bien passé. Les enfants ont dîné chez les grands-parents. Ils ont dévoré le dîner. Il y avait du poisson et une sauce faite maison. Et à chaque fois que c'est du poisson, de la sauce faite maison, en fait, à chaque fois que mes parents font à manger, mes enfants dévorent le repas. Vraiment. C'est des bons mangeurs et pour le coup, ça se voit, ils laissent rien sur la table. Donc voilà, mais ça s'est très très bien passé, on a bien rigolé, les enfants ont bien mangé. Là, ils sont rentrés, brossage de dents, enfin tout le tralala. Ils sont au lit, papa est en pleine histoire. Et moi, j'ai un tas de linge qui m'attend. Donc du coup, je vais aller plier tout ça. Demain, vu que je ne travaille pas, c'est mercredi, je vais tout ranger et recommencer à faire des machines parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment des machines en retard. Voilà tout. Sinon, je suis en train de regarder autour de moi. Plus ça va, plus on vit vraiment dans les cartons, là, dans la chambre parentale. Je ne vous dis pas, il y a des cartons dans tous les sens. Mais voilà, c'est que du bonheur. Quand je pense au futur, c'est vraiment que du bonheur. Et je me réjouis, même si c'est pendant quelques semaines un peu désagréable. Mais on se réjouit quand même. Donc voilà, je regarde, il y a mon petit chat qui me tient compagnie. Bon, et bien moi, je vais plier tout ça. Donc voilà, sur ce, moi je vais vous faire des énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. D'ailleurs, je vous dis bon courage pour tous ceux qui ont la tempête en ce moment. Bon courage avec cette tempête et passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. À très bientôt. Bye bye.